Salut tout le monde, c'est Vianney pour welovemusic.fr. Je ne suis pas musicien, je ne suis pas chanteur. Dieu m'a donné des mains pour consoler mon cœur. Si j'avais pu savoir combien tu t'en foutais. Si tu veux, les chansons de l'album, il y en a qui ont 4 ans, il y en a qui avaient 2 mois avant de les enregistrer. J'en ai même, il y en a une ou deux qui viennent du lycée, tu vois. Toutes ces périodes-là. Après, il y a une période pendant laquelle j'étais particulièrement prolixe, c'était l'école de commerce, parce que j'avais le temps. Et particulièrement, je suis parti en Angleterre, dans le cadre de mes études de commerce. Et en Angleterre, après un chagrin amoureux en plus, donc la totale, j'avais tout ce qu'il me fallait pour être inspiré. Donc l'Angleterre. Là, j'étais vraiment bien. J'ai pas mal écrit pendant cette période. Si j'avais une voix et la moustache qu'il faut pour passer sur Nova, tu reviendrais bientôt quand j'y pense, rien ne la pense là. Tu le dis vraiment joliment. On l'a jamais dit comme ça, mais de tester les limites de la chanson et tester celle aussi de la variété, c'est quelque chose qui me motivait beaucoup et qui me motive quand. Du moment où j'écris la chanson, déjà, à la base, tu vois. J'aime qu'il y ait un texte, quoi, qui soit assez riche, qu'on puisse réécouter et redécouvrir, sans qu'il soit trop, trop inaccessible, tu vois, trop difficile à comprendre, à saisir. Et en revanche, les musiques, j'aime bien qu'elles coulent de source, quoi, qu'elles soient, pour le coup, qu'elles t'emmènent assez rapidement. Moi, c'est l'équilibre entre ces deux choses-là que je voulais avoir, obtenir. Et donc il y a plusieurs influences, etc. Mais c'était dans cette optique-là de proposer quelque chose où on ne s'ennuie pas, quoi, quelque chose de varié. Et de varier, mais pas variété pour autant, qu'on reste dans quelque chose assez chanson, dans le fond, mais dans la forme, voilà, l'accessibilité de la variété me parlait pas mal. Je viens gifler mes cordes plutôt que ton fessier. Je crie de tout mon être sur un morceau de bois plutôt que dans tes oreilles. Tu vois, j'ai eu une liberté, honnêtement, du haut de mes 23 ans, qui n'a jamais fait d'album. Je suis arrivé dans ce label et j'ai été libre sur tout, de A à Z, libre de tout ce que je voulais, tous mes choix et artistiques et de développement, etc. Je suis totalement libre. Donc, et je crois que c'est un vrai luxe pour fréquenter maintenant un petit peu de gens, quoi, du milieu. On a ce luxe-là, les artistes, tôt ou tard, de pouvoir faire ce dont on a envie et d'avoir la confiance sur tout ça, la confiance des équipes de Vincent Frérot, le producteur. Et du coup, on est très serein, quoi. Personnellement, je le suis, du coup, dans ce que je fais, parce que je sais que les gens me font confiance de base. Donc bien sûr, je dois démontrer, comme chacun, dès que je prends une décision, bien sûr que je dois l'expliquer. Mais enfin, de base, les gens me font confiance. Et font confiance à chacun des artistes de cette maison. Donc c'est quand même un sacré luxe. Et tu n'es pas la plus fine, non, tu n'es pas la plus folle. Quand tu veux la jouer comme, c'est comme, il restera comme. Comme ce que tu n'es pas, mais que tu me montrais. Tu peux changer de voix, mais pas ce que tu es. Sur l'album, le réalisateur de l'album, Antoine Sertier, c'est lui le coupable des arrangements de l'album. On travaille ensemble, évidemment. C'est un travail mûrement réfléchi à deux. Et puis d'ailleurs avec les gens qui nous entourent, on regarde un petit peu, on teste. Mais artistiquement, c'est à deux qu'on travaille. Mais Antoine, si tu veux, met sa couleur, met sa patte dans l'album. Antoine est quelqu'un qui a Antoine Sertier, le réalisateur de l'album. C'est quelqu'un qui a une culture assez électro. Donc on peut retrouver. Il en a plus que moi en tout cas. Il a une culture plus électro que la mienne. Si on retrouve des passages électro, c'est à lui qu'il faut en parler. Même si, évidemment, j'approuve et on en parle ensemble, tu vois, moi, je suis très heureux du travail qu'il a fait. Il y a des choses qui ont pu me déplaire et on retravaille dessus ensemble, voilà. On travaille ensemble, mais ce côté-là, si tu veux, électro qu'on peut retrouver, c'est Antoine. Parce que, tu vois, moi, je suis beaucoup plus organique, je suis très guitare-voix, piano, enfin, je joue des instruments qui n'ont pas grand-chose d'électronique, quoi. Donc c'est Antoine, lui,
qui est venu, il a créé le contraste, qui est d'ailleurs, je trouve personnellement, qui est assez intéressant, hein, qui est le contraste entre une guitare qui est très sèche et puis un beat électro. Mmh. Ça arrive sur l'album, mais ça reste un album, je pense pas qu'on puisse le classer dans l'électro non plus. Mmh. Et pourtant, j'aurais apprécié, enfin, tu vois, j'adore l'électro, mais on n'en est pas là quand même. C'est vrai qu'il y a des influences qu'on peut ressentir, et c'est surtout celle d'Antoine. Les doigts sur mon clavier, je viens gifler mes cordes. Plutôt que ton fessier, je crie de tout mon être sur un morceau de bois. Plutôt que dans tes oreilles qui n'écoutent que toi. Si tu veux, l'idée de cette pochette, c'était de poser un tableau, poser une image claire, assez simple, avec des couleurs qui apaisent, qui rafraîchissent. Je te disais que mon ambition de chanson, c'était aussi ça, c'était d'amener les gens qui écoutent ces chansons à positiver sur certaines choses, pourquoi pas. Les couleurs de l'album, du coup, le pastel, moi je trouve que ça va dans cette direction-là. Donc, c'était un de mes choix, le pastel. Et je trouve que ça amène quelque chose de rafraîchissant, visuellement. Donc, voilà l'explication à ces couleurs.